Bonjour à tous, en direct d'Open Education Global Francophone. Bienvenue en ce 24 février 2022. Désolée, il y a une ambulance. C'est peut-être à cause de l'intervention militaire sauvage de la journée, malheureusement, en Ukraine. C'est vraiment un grand drame aujourd'hui. Mais on se retrouve autour de l'éducation, des valeurs de l'ouverture, et ça, c'est déjà bien positif, je dirais, et rassurant. Et on a envie vraiment que l'éducation permette justement, et nos réseaux permettent de continuer à rêver dans ce monde assez brutal. Donc, ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Perrine de Couette-Laugon, je travaille à l'Université de Lille, je suis membre du board d'Open Education Global, l'association mondiale pour l'accès de tous grâce à Internet, l'informatique, un travail sur les droits d'auteur. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Mathieu Sonati de la société Inokofu, que j'ai rencontré grâce à des projets relative aux données de l'éducation, Gaia-X, c'est le grand projet européen pour travailler sur les partages dans des data space, dans des espaces de données, les partages de données. Et on est en train de monter un grand volet éducation et compétences. Enfin, ce n'est pas on, ce n'est pas moi, c'est au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui est très intéressant. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et avant de lui donner la parole, je vais vous donner deux, trois informations importantes parce que vous pouvez tous participer en tant que personne, institution, à l'Open Education Week qui a lieu la première semaine de mars. Donc, ce n'est pas celle qui commence le 1er mars, c'est le 7. Le 7 mars, il y a donc une semaine entière, vous pouvez vous inscrire sur Open Education Week, OE Week. Pour réaliser des séminaires, des événements. Il y en a déjà un qui est fait par l'ISLA, l'Association des bibliothèques, avec Cécile Zviatek, qui va utiliser notre solution Livestorm d'ailleurs. Voilà, et on est en train d'en monter un autre qui sera sur la difficulté de réaliser des réadaptations de ressources éducatives libres existantes. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec quelques collègues. Ce sera un événement plus local, on a envie de pouvoir toucher les enseignants de l'Université de Lille ou des environs. Voilà, ça sera la troisième année que l'Université de Lille participera à Open Education Week. Alors, par ailleurs, j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. Il y en a une, c'est à nouveau un appel à vos contributions pour la conférence Open Education Global qui aura lieu au mois de mai à Nantes. Les contributions sont ouvertes encore jusqu'au 28 février. L'appel à contribution a été augmenté. Donc moi, je vais faire des propositions concernant la blockchain, en fait, hein, pour rappeler les liens entre les deux. Bon, je serai là aussi pour représenter le réseau francophone qu'on constitue tous ensemble, mais aussi le métaverse. On va faire un atelier dédié à la question de l'open source dans le métaverse. Voilà, ça c'était quand même très important. Et une dernière nouvelle, c'est que le directeur exécutif Paul Stacey a décidé de prendre petit à petit sa retraite en fait et de transmettre proprement et très correctement le leadership d'Open Education Global. Et donc un processus de recrutement est lancé. Plutôt en Amérique du Nord, mais enfin peut-être qu'il y a des personnes ici qui entendront ou réentendront ce message et qui est diffusé via les réseaux sociaux et sur les comptes LinkedIn, Twitter d'Open Education Global. Et moi-même, je vais repartager ces messages-là au cas où certaines personnes seraient intéressées. Voilà. Je crois que j'ai passé les principales informations. Je répète, au week début mars, tout le monde peut participer. C'est la façon d'avoir une cartographie planétaire des personnes qui se motivent pour les ressources éducatives libres et l'ouverture. Deuxième événement, Open Education Global pour la première fois dans un pays francophone à Nantes et donc en France. Et puis, troisièmement, une transition qu'on organise en ce moment avec les membres du conseil d'administration d'Open Education Global pour recruter un nouveau directeur.
Voilà, je vous remercie tous. Vous êtes maintenant 27 et je laisse la parole à Matt. Merci Perrine, et très heureux d'être ici parmi vous et puis de pouvoir un petit peu discuter de ce sujet passionnant que sont les ressources éducatives libres. Alors donc pour faire une petite présentation, donc Mathieu Sonnati, je suis le cofondateur avec Benjamin de cette startup EdTech qui s'appelle Ainokufu et dont la mission qu'on s'est donnée en fait est alors je peux passer les slides, voilà. Notre mission qu'on s'est donnée, c'est d'arriver à pouvoir délivrer le bon learning object au bon moment et au bon apprenant. Vous le savez, il y a eu une explosion fantastique sur les 20 dernières années du nombre, du volume de ressources éducatives, mais aussi de leur qualité, de leur format. On passait de beaucoup de textes écrits il y a un siècle, maintenant on a des vidéos, des podcasts, des MOOC, des applications, des serious games, de la VR. Oh, je vois les questions là, on parlera certainement XAPI ou Calibre. Alors c'est un sujet phare, mais là on n'en parle pas parce que là j'étais vraiment sur la ressource, mais on pourra en discuter parce que c'est vraiment un sujet phare, notamment dans ce que présentait Perrine sur le Data Space Education Skill. Oui, alors juste une petite précision. La question des moteurs de recherche vers les ressources éducatives libres, c'est une question ancienne et elle a été, elle est encore traitée et c'est vraiment une question passionnante. Hein. Il faut juste dire que c'est pour ça qu'on a intitulé la session « Trouver des ressources de qualité » parce que ce soit les enseignants ou les étudiants, ils ont besoin de savoir comment bien documenter leurs ressources. C'est le travail de documentaliste. Y a la science et puis il y a l'éducation. Et donc, ça a donné, je vais laisser Matt reprendre, mais ça a donné lieu déjà à des moteurs de recherche, des projets ORI-OAI dans le passé, qui actuellement sont moins compris et reconnus. C'est pour ça que c'est intéressant d'entendre Matt qui vient de la EdTech et qui pratique en fait des moteurs de recherche plus 2022. Voilà. C'est pour ça que j'avais vraiment, quand Matt s'est proposé au mois d'octobre ou novembre pour faire une présentation, j'étais ravie de l'entendre. Donc, voilà. Je n'ai peut-être pas assez contextualisé, il y avait beaucoup d'actualités à donner. Je te laisse la parole, Matt. Je n'interromps plus. Mais oui, il y aura plein de questions, hein, parce que je pense que ça attire des personnes qui sont spécialisées du domaine. Hein. Tout à fait, oui. C'est fantastique. Mais on va parler justement un peu de notre approche sémantique après, mais je voulais quand même un petit peu poser le cadre. Alors, pourquoi est-ce que... déjà, pourquoi cette approche Learning Object? Parce que la tendance de fond, quand même, du secteur de l'éducation, c'est d'arriver à un peu plus personnaliser le parcours de chaque étudiant. Et ça vient souvent en un peu en opposition avec le fait de pouvoir fournir une éducation à grande échelle, de qualité à grande échelle. Donc, pour pouvoir un petit peu plus facilement faire des parcours personnalisés, adaptés à chaque étudiant, il faut avoir un petit peu plus découpé finement chaque ressource. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire justement. Alors c'est marrant parce qu'il y a cette approche un petit peu documentaliste, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les learning objects qui viennent du monde de la gestion documentaire, donc bibliothèque, ainsi de suite, mais il y a aussi quand même beaucoup de choses qui viennent, enfin maintenant la recherche d'information se fait quand même plutôt via des moteurs de recherche généralistes, donc par exemple comme Google, avec une approche du coup plutôt moteur de recherche. Et c'est marrant parce qu'on voit dans la description des données des learning objects qu'on est en train de se retrouver entre les approches donc LOM, learning object metadata, mais qui sont très des approches bibliographiques. Hein. À l'origine, c'était presque fait pour décrire des livres. Et puis les approches de recherche, donc des moteurs de recherche, et avec notamment schema.org, qui est largement sponsorisé par Google et Baidu, qui est fait pour des ressources, on va dire, généralistes,
Il y a une petite partie qui couvre les ressources éducatives, mais on voit que ces ressources éducatives, elles ne sont pas assez décrites. C'est un petit peu ce bout de chemin que nous, on essaye de faire, d'un peu mieux décrire les ressources de cet aspect-là et puis de reconnecter avec l'homme derrière. Donc, pour vous présenter un petit peu la cartographie, il y a beaucoup de discussions sur la définition de ce que c'est un learning object. Et d'abord, ce n'est pas notre place pour prendre une décision. Donc, en gros, on a été assez large et on considère un petit peu tout ce qui peut, globalement, tout élément qui est utile pour un apprenant spécifiquement pour atteindre un objectif pédagogique donné. C'est ce que nous, on considère comme un learning object. Et on considère notamment que des learning objects peuvent être plus ou moins, on va dire, composites, parce que des fois, on n'a pas besoin de changer, peut-être que le changement, il ne va pas se faire au niveau élémentaire d'une vidéo ou d'un article, peut-être à un moment, ça va se faire que pour tel étudiant, il faudra un MOOC, ou pour tel étudiant, il faudra peut-être telle autre activité. Voilà, donc en gros, on a été, enfin, on prend pas trop de décisions. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut être agnostique en termes de type. On ne veut pas restreindre justement les types de learning objects. On veut plutôt être prêt à décrire n'importe quel type de learning object. Là, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec la VR, XR, AR, avec le métavers. On voit que ces choses vont encore évoluer. Donc, en gros, on essaye de plutôt avoir des descriptifs de ces learning objects. Ce que j'appelle tout terrain, c'est-à-dire que quelle que soit la forme, finalement, on arrive quand même à les décrire, et surtout, et ça c'est un point hyper important pour nous, c'est d'essayer du mieux qu'on peut de comprendre quel est le but, quel est l'objectif pédagogique de la ressource. Donc notamment, on utilise la taxonomie de Bloom, mais on utilise aussi, enfin on essaie d'aller chercher le maximum de metadata qui pourront être utiles pour justement pour l'enseignant, l'ingénieur pédagogique qui fait ses. Qui a besoin de créer ses parcours d'apprentissage. Ensuite, donc se pose la question du volume. Donc sur la question du volume, c'est une question piège, parce que vu la quantité produite actuellement, c'est dur de mettre un volume, en particulier sur les vidéos. Plus encore particulier sur YouTube, qui est vraiment une usine assez énorme de production. On n'arrive même pas à mettre de chiffres. Mais bon, tout ce qu'on a fait, donc de notre indexation, enfin en tout cas de nos cibles d'indexation, parce que nous actuellement on n'a pas encore indexé donc ces 250 millions de learning objects, ce qu'on considère comme étant la cible vraiment de learning objects de qualité qui existe. À nos époques. Mais ce chiffre de 150 millions, il veut un peu rien dire parce que vu la quantité, notamment sur YouTube, qui explose, ouais, ça pourrait très bien être 300 ou 400 millions dans 2 ans, quoi. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit qu'en termes de MOOC, par exemple, on a voilà, de l'ordre de 130 000. Je crois que les dernières indexations sur toutes les plus grosses plateformes qu'on a fait, on arrive à 116 000, donc sur Coursera, edX, Udemy, j'ai encore en oublié, Pluralsight, FutureLearn, GetSmarter, OpenClassroom, enfin voilà, toutes ces. Voilà. Je vois une question passer, combien en français? Il y en a à peu près 5 000. Donc ça donne une proportion. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, puisque si on met ça en comparaison avec le nombre de livres. Donc à l'époque de Ferdinand Colomb, qui était le fils donc de Christophe Colomb et qui était un des premiers à avoir cette approche recenser tout le savoir humain. Et donc il avait collectionné à cette époque-là, donc dans les années fin 1400, début 1500, il avait collectionné les 15 000 livres qui représentaient un peu le savoir à l'époque. Donc on voit qu'on n'est pas non plus dans des, on n'a pas vu un ratio énorme. Hein. Donc si on compare à ça, 130 000 mots, 15 000. On a un facteur x10. En termes de livres d'ailleurs, alors là, sur ce graphe, on met 30 millions. 30 millions sont tous les livres pas forcément éducatifs. Si on restreint le champ, par exemple, qu'au manuel scolaire, primaire, technique, donc vraiment des manuels à vraiment un fort caractère éducatif,
disons qu'on exclut les romans, la fiction, on tombe à peu près à 160 000. Donc on voit qu'on n'a pas eu une explosion exponentielle, c'est-à-dire en tout cas une explosion qui est comparable à l'explosion démographique qu'on vit. Ceci dit, pour les vidéos en particulier, on voit cette explosion. Là, on recense même pas les petits contenus et vidéos courts comme il y a sur TikTok et qui commencent, parce qu'on le voit, hein, il y a des chaînes qui commencent à se créer de contenus très courts en vidéo sur TikTok à caractère éducatif. Pour l'instant, ça, on ne fait pas. Même si, au final, l'idée de notre technologie, c'est d'être prêt à aller chercher tous ces learning objects, quelle que soit leur forme, et de pouvoir les caractériser avec le maximum de métadata pour savoir pour quel public, pour quel âge, pour quel objectif pédagogique visé, sur quel domaine, quelles compétences, ainsi de suite. Voilà. Donc, alors, ce qui est un point aussi important qu'on a compris, c'est que la recherche, en particulier de ressources éducatives, elle est différente, les besoins sont différents selon, on va dire, la technicité de celui qui cherche. On est très habitué à notamment utiliser Google pour faire des recherches, et quand je dis on, c'est par exemple notamment l'apprenant, de lui mettre des outils spécifiques, de lui mettre en place un moteur de recherche spécifique. C'est compliqué parce que ça veut dire, attention, donc pour mes recherches de tout venant, je vais sur Google, mais attention, quand je dois apprendre quelque chose, il faut que j'aille sur un autre moteur de recherche. Et ça, on s'est aperçu sur nos tests, parce que c'était quand même 4 ans qu'on développe tout ça. On s'est aperçu dans nos tests que c'était trop en rupture. Donc en gros, on a développé Anuku Fusearch, qui est une extension Chrome, et qui permet de chercher, en fait, on ne change pas, on reste sur Google ou sur Bing. Pour l'instant, ce sont les deux moteurs de recherche qu'on supporte, mais on pourra en ajouter d'autres plus tard. Donc, on ne change pas les habitudes. Par contre, ce qu'on fait, c'est que en même temps que le moteur de recherche classique va présenter les résultats, on va présenter sur le côté droit des ressources éducatives. Et l'avantage étant que ce que nous, on indexe et ce qu'on présente, c'est indépendant d'un business model basé sur la publicité ou quelconque biais commercial. Donc, si vraiment le moteur de recherche fait remonter ces ressources, ce sont les ressources qu'on juge les plus adaptées pour apprendre le domaine. On a quelques options de personnalisation, mais qui sont très très simples. C'est-à-dire que les gens peuvent choisir grosso modo le type de ressources qu'ils veulent voir, ou alors les sources. S'ils sont attachés à une source particulière, ils veulent voir les MOOC de Coursera, et ben ils peuvent le mettre. Les MOOC d'Open Classroom, ils peuvent le mettre. Mais on est resté très basique parce que voilà, parce que les gens, ils veulent pas faire des recherches complexes. Par contre, on s'est aussi aperçu qu'il y avait notamment dans le monde de l'éducation, les professeurs, les ingénieurs pédagogiques, eux, ils ont besoin d'un outil qui est beaucoup plus expert et qui leur permet, donc c'est ce que nous on appelle un Anukufu Studio, qui leur permet vraiment de faire des recherches très très précises de ressources éducatives, vraiment en allant chercher le filtre, les intervalles d'âge. Est-ce qu'on veut que ça soit donc la taxonomie de Bloom? Donc nous on a une taxonomie de Bloom qui est un petit peu adaptée. Donc on utilise Discover, qui est le niveau, on va dire, de connaissance du concept, mais au sens connaissance du terme. On a Understand pour la compréhension, et on a Do pour la partie mise en pratique, mise en application. Et on a un quatrième qui est qu'on appelle degree, donc en gros les diplômes, puisqu'un diplôme, en gros, c'est censé ben, faire passer quand même l'étudiant dans ces trois niveaux. On n'a pas fait les niveaux supplémentaires de Bloom, parce que ben, pour l'instant, quand même, la cible au démarrage, c'est quand même l'éducation et la formation de personnes. On ne pousse pas sur juste qu'à former des experts. Enfin, c'est une proche de start-up qui démarre et qui doit démarrer quelque part. Mais bon, bref, à part ça, donc on a toute une liste de critères qui permet donc de vraiment faire une recherche très ciblée. Et ça, c'est pour moi une des premières réponses à cet enjeu de comment rechercher des ressources de qualité. Parce que la qualité, elle est forcément subjective. Elle va dépendre de
Justement, de l'objectif poursuivi, elle va dépendre du niveau. Est-ce qu'on veut des ressources de niveau débutant ou est-ce qu'on veut des ressources de niveau plutôt avancé? Elle va dépendre, voilà, de l'âge, bien sûr, des personnes. Elle va dépendre de si on veut certains types de ressources. Et déjà, en donnant la possibilité vraiment de filtrer, sélectionner ces ressources. Enfin, ces résultats, on a déjà normalement une offre, une proposition de résultat qui est quand même de meilleure qualité. Enfin, en tout cas, que la personne va juger de meilleure qualité. Ensuite, le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on classe, puisque des résultats, ils sont forcément montrés dans un certain ordre. Actuellement, on propose soit un classement random, soit un classement par ce qu'on appelle la note de popularité. La note de popularité, c'est une note qu'on va normaliser et qui est basée en gros sur les indicateurs de popularité de la source. Donc on va avoir par exemple, et alors ça c'est compliqué parce que ça dépend de chaque, ça dépend des types de ressources, ça dépend de leurs sources. Sur les MOOC, on va avoir des 5 étoiles, on va avoir du nombre de personnes inscrites, sur des vidéos, on va avoir le nombre de vues, le nombre de likes ou de dislikes. Donc voilà, donc la stratégie qu'on a, c'est donc on normalise les notes par rapport à la source, et on a un indicateur qui se situe entre moins 1 et 1, et ensuite on normalise ces valeurs-là par rapport à l'ensemble des ressources qu'on a, pour essayer d'avoir du coup une note globale qui nous indique si quand même cette ressource elle est populaire ou pas. Et bien sûr, dans les résultats qu'on renvoie, on ne renvoie que des ressources qu'on juge d'un certain niveau de popularité. Voilà, donc en gros, sur l'indicateur qui est entre moins 1 et 1, on ne renvoie que des résultats qui sont entre 0 et 1. Et on a une particularité aussi, c'est que tout ce qui est déterminé de manière algorithmique, parce que c'est quand même une clé de notre technologie, c'est qu'on a, pour pouvoir indexer, traiter et enrichir en metadata, ça c'est un point j'insiste, parce qu'on ne fait pas que de l'indexation, on enrichit. Parce que c'est un des problèmes de l'indexation, c'est qu'on est dépendant des données qui sont décrites. Mais malheureusement, les learning objects, les ressources ne sont pas toujours décrites. Et du coup, ben, on a plusieurs algorithmes qui ont chacun une mission spécifique d'aller essayer de déterminer. Telle ou telle metadata si elles sont pas rentrées. Donc bref. Du coup, grâce à ça, on a donc une note de popularité, mais cette note algorithmique, elle est bornée à 0,8, et en fait, pour dépasser cette note, il faut forcément que ça soit revu par un de nos auditeurs pédagogiques humains. Puisque pour pouvoir traiter massivement ces learning objects, on est forcément obligé de faire de l'automatiser. Mais on sait très bien qu'il y a quand même des choses que les algorithmes ne vont pas détecter ou qui vont avoir des limites. Et là, c'est pour ça qu'on a des auditeurs qui vérifient ces résultats et qui essayent de, enfin, qui permettent d'ajuster ces résultats. Et en plus d'améliorer notre technologie, puisque nous, derrière, nos algorithmes, enfin, comme c'est quand même beaucoup du machine learning, on peut entraîner les résultats, entraîner les algorithmes pour les améliorer en fonction des learning objects qui ont été tagués. Donc là, actuellement, on a à peu près 3 millions de learning objects tagués en stock. Ah oui, je vois la question sur FunMook. Alors, FunMook, c'est intéressant. FunMook, c'est pas beaucoup déjà, donc MOOC, c'en est pas plus d'une centaine, 150, je crois. Donc, on l'a indexé, mais FunMook a une stratégie qui est. De contenu qui a une courte durée de vie, puisque ça marche par session. Et on peut rarement prendre des sessions. Enfin, voilà, rarement prendre des sessions. Donc, en fait, nous, ça veut dire 150 MOOC qu'on doit réindexer régulièrement. Donc, pour l'instant, non, FunMOOC, on l'indexe de temps en temps, mais dès que ces sessions sont passées, au final, elles sont plus en catalogue. Du coup, il faut qu'on les réindexe. Donc, voilà, pour l'instant, voilà, FunMOOC, c'est malheureusement. On l'a pas tout le temps. Mais ceci dit, enfin, c'est pas une problématique technique, il n'y a pas de barrière, c'est plus pour nous par rapport aux ressources qu'on a actuellement. Voilà.
Mais si ça, s'il y a un intérêt en particulier, on pourra enfin, c'est même pas que s'il y a un intérêt, c'est que il faudrait qu'on se rapproche de FunMook pour discuter de comment est-ce qu'on pourrait avoir notamment, par exemple, soit un flux RSS, en fait, c'est marrant parce que ce sont des choses qu'on discute dans DataSpace Education and Skill. Et si on pouvait avoir des échanges justement de données de catalogue, ça serait beaucoup plus simple pour nous à indexer au lieu d'avoir à faire une indexation nous-mêmes et d'aller chercher des métadatas qui sont peut-être disponibles mais qui ne sont pas forcément visibles sur la page de FunMook. Voilà, donc ça c'est un bon point. On n'a pas, nous, une fois de plus, on n'est pas enfin, on a l'idée, enfin, c'est de ne pas privilégier justement un learning object plus qu'un autre pour des raisons commerciales. Donc on est très très ouvert et on veut toutes les bonnes volontés, tous les contenus qu'on peut indexer, on le fera avec plaisir. Après reste une startup qui se développe, donc on est obligé d'avoir des priorités et on privilégie d'abord les gros catalogues qui sont relativement stables. Voilà, donc peut-être je peux vous envoyer le lien de l'extension Chrome pour ceux qui utilisent Chrome dans le chat, comme ça ce sera le plus simple si vous voulez tester. Vous pouvez l'installer, l'utiliser gratuitement. Donc l'idée vraiment c'est de rester intégré dans l'utilisation normale d'un moteur de recherche, sachant que de toute façon il y aura même peut-être des learning objects que nous on ne trouvera pas, certainement d'ailleurs. Donc la personne ça pourra toujours aussi les trouver sur Google. Donc l'idée vraiment c'est d'avoir une espèce de combinaison. Et donc vous le voyez, les gens peuvent choisir dans les boutons sur la partie droite. Il y a des petits tags, enfin des boutons en dessous de la barre de recherche qui permet de sélectionner des types ou des sources donc de learning object. Si on clique sur la petite roue crantée en haut, on peut choisir les sources. Peut choisir les sources, on peut choisir les types et on peut se personnaliser un petit peu son moteur de recherche. Voilà. Et l'autre outil, donc Anupu Studio, donc lui, vraiment, on donne beaucoup de filtres et on donne aussi des informations sur la recherche, sur la qualité de la recherche, notamment sur est-ce qu'on arrive à matcher exactement tous les filtres qui sont proposés, enfin, qui sont demandés par la personne qui cherche, ou est-ce qu'on n'y arrive pas. Donc on a le Query Matching Score, le chiffre en haut à droite, qui va indiquer si on a une recherche satisfaisante ou pas. On indique aussi le nombre de ressources. Alors forcément, c'est toujours des plus petits volumes que les millions de ressources que Google prétend trouver à chaque fois. Mais bon, enfin, c'est lié à notre pour l'instant petit index, mais qui va grossir dans le temps. Et on a aussi, donc on indique aussi les paramètres de recherche, et notamment la Search Query URL oui, donc là, il y a quelqu'un qui a testé sur DuckDuckGo ou BraveSearch, effectivement, là, ce ne sont pas des moteurs de recherche pour l'instant qu'on a utilisé, enfin qu'on a autorisé, mais on pourra le faire, ouais. Sans trop de soucis d'ailleurs. Voilà, donc là l'idée c'est que ça permet aussi donc donc avec Anupu Studio, ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi de créer des donc ce qu'on appelle les Search Query URL. Ce sont des URL, donc des adresses internet qui permettent en gros à un professeur de pré-programmer une recherche. Et une fois que cette recherche elle est pré-programmée, si derrière notamment le LMS ou l'éducation ou l'application éducative qui va utilise notre API, il va pouvoir rentrer cette URL dans le système. Et du coup, ben, les étudiants, quand ils arriveront sur cette page, au lieu d'avoir une ressource d'une vidéo ou d'un PDF qui a été mis à la main, qui a été uploadé, on va dire, dans le cours, il pourra voir du coup toutes les ressources qui correspondent à cette requête et qui a paramé le professeur. Ce qui veut dire que déjà le contenu il va rester toujours à jour parce que ben, c'est une requête qui est faite en direct à notre API. Puis ça veut dire aussi que ça peut
ça peut évoluer en fait. C'est la personne peut avoir plus de choix que peut-être la ressource que le professeur a choisi. Donc ça permet au professeur finalement de choisir de définir un cadre de ressources qui correspondent à ce à quoi il a envie de que les étudiants se concentrent, sans forcément choisir une ressource qui peut être vite vite compliquée quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu l'approche qu'on a prise. Donc avec Kung Fu Studio pour l'instant c'est pas ouvert en libre, on peut pas s'inscrire comme ça. On fait des partenariats spécifiques parce que c'est quand même un outil assez technique. Mais par contre, si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me contacter. Pourra vous ouvrir avec plaisir un compte et vous puissiez l'utiliser, quoi. Alors effectivement pour les langues, donc pour les langues vous pouvez choisir la langue de recherche dans les paramètres de l'extension Chrome et ça vous donnera en fonction de ça des résultats bien sûr différents. Voilà. Voilà, donc ça c'était donc c'était un petit peu la présentation. Alors est-ce qu'il y a donc une question? En co-conception avec des apprenants et apprenants. Oui, effectivement, tout à fait. Donc, bah, l'idée, c'est vraiment de. Enfin, c'est un petit peu notre approche, c'est de dire que la recherche de ressources éducatives, en soi, ça fait partie de l'expérience pédagogique qu'il faut la cadrer. On a trop souvent, jusqu'à présent, dit ben, vous allez sur Google et vous cherchez. Ben oui, mais c'est pas. Pas aussi facile que ça. Enfin, ceux qui sont autodidactes ou qui savent très bien utiliser les moteurs de recherche, qui vont avoir leur méthodologie pour rechercher de l'information ou qui vont connaître les ressources, ça va être pour eux ça va être facile. Mais pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est quand même bien d'avoir des outils. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de proposer, des outils qui permettent de voilà de chercher dans un cadre donné certains types de ressources ou dans certaines sources. Par exemple, donc, parmi les sources qu'on a indexées, on a indexé par exemple l'Open Textbook Library, qui est très très riche, plein bon, plutôt des e-books ou des PDF, très intéressants pour apprendre, alors beaucoup en langue anglaise. On a aussi indexé Merlot, qui contient aussi beaucoup de ressources éducatives très intéressantes. Et ça, c'est pas forcément, si les gens ne connaissent pas, ça ne va pas être leur réflexe d'aller chercher des ressources là-dedans. Donc là, en les mettant un peu plus proche de leurs ressources, recherche Google, puisque les gens, bon, plutôt dans Anycofusers, dans l'extension Chrome, mais vous pouvez sélectionner par provider, par fournisseur, et dans ce cas-là, ben, vous allez avoir si vous sélectionnez Merlot ou Open Textbook Library, vous allez avoir tous les résultats de ces catalogues-là qui sont présentés directement à côté de votre recherche. Voilà. Oui, effectivement, tout à fait. Donc sur la sens critique sur les résultats de recherche, ça c'est un point qui revient souvent. L'algorithme de Google est très bon sur la perception de la qualité des résultats. Donc il nous fait penser que les résultats sont de bonne qualité parce qu'il y a peu de résultats hors sujet. Mais c'est loin d'être une qualité, enfin, c'est loin de faire remonter dans l'absolu forcément la ressource qui va être la plus pertinente pour cette personne donnée. Donc, parce qu'il y a quand même des biais commerciaux derrière, parce que quand on a un bon SEO, c'est pas trop compliqué d'arriver meilleur dans les résultats de recherche que des ressources qui ont peut-être moins qui sont moins qualitatives. D'ailleurs, le SEO, c'est problématique parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'articles, enfin, en particulier sur donc si on prend l'objet, le type on va dire d'objet article, c'est très très compliqué d'avoir des articles qui sont pas à caractère marketing derrière. Enfin, je pense par exemple à des boîtes comme Mano Mano qui ont fait beaucoup d'articles sur le bricolage, qui sont en fait derrière du SEO pour Mano Mano. Bon, après, c'est aussi du contenu éducatif, en quelque sorte, mais c'est quand même très avec un but derrière de vendre quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est compliqué. Et un moteur de recherche, enfin tous les moteurs de recherche, quels qu'ils soient, hein,
d'ailleurs, que ce soit DuckDuckGo, Quant ou Ecosia, derrière, ils vendent de la pub. Donc en gros, au final, il y a quand même toujours un biais commercial quelque part. Donc l'idée d'avoir un moteur de recherche qui ne va chercher que en fonction d'une comparaison enfin, sémantique entre le terme qui va être recherché et puis et les metadata des learning objects et ou des filtres qui ont été mis en place, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Alors j'avais prévu de vous faire une démo, mais je pas si je peux vous faire le partage d'écran Si, ou si, je pas, ou pense. je sais pas comment. Vas-y, essayons déjà. Parce que si tu mets sur partager, tu vas partager l'écran. Ou un tableau blanc Miro, ou un document Google, enfin, tu vois, il y a du choix. Ok, alors. Puis j'inviterai bien après, enfin, je te laisse faire ta démo, mais j'inviterai bien quelques personnes qui sont dans l'assistance et que je connais depuis un certain temps déjà. Et j'aimerais bien entendre enfin, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont fait eux-mêmes de leur côté. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est là. Alors je vais peut-être vous présenter justement Anycook Studio parce que l'extension Chrome, vous pouvez l'installer et l'utiliser assez facilement. Donc sur Studio, on a fait déjà le parti Je vous pris de conseille, attends, différencier si c'est une recherche par type ou une recherche par faut aller provider. en plein écran, hein, Donc les par gens. type, nous on entend est-ce que ça va être une vidéo, un podcast, un MOOC, ainsi de suite. Et par provider pour nous, ce sont les sources des learning objects. Avec un petit point de précision, donc là pour nous la source c'est là où est stockée l'URL du learning object, puisque nous pour nous chaque learning object, y compris même si ce sont des formations qui vont se passer en physique ou des activités en physique, elles ont toujours une page de description web, ça va être un lien d'inscription ainsi de suite, et du coup ou une fiche descriptive. Pour nous, c'est vraiment le learning object est attaché à une URL. Toutes les metadata qu'on va essayer de retrouver, elles sont pour nous rattachées à une URL. Et cette URL, du coup, le provider, ça va être celui qui a cette URL. Donc la différence, c'est que par exemple, dans le cas de, si on va prendre le cas d'un MOOC qui serait chez Coursera et qui serait proposé par l'université du MIT, enfin le MIT, et ben donc le provider ça serait Coursera et le MIT serait plutôt le publisher au sens un peu éditeur anglo-saxon. Voilà, on pourrait vraiment bien différencier les termes qu'on a. C'est d'ailleurs un des termes qui est pour nous pas bien défini dans schema.org et qu'on essaie de mieux définir. Donc, par exemple, si on veut faire une recherche justement sur par provider, donc dans Studio, vraiment là on présente tous les paramètres qui sont actuellement implémentés dans notre API et qui permettent du coup de filtrer, de rechercher plus précisément un learning object. Donc là, par exemple, si on cherche le mot-clé Python, donc on pourrait, alors peut-être pas YouTube, mais on va peut-être aller dans. On peut aller dans Open Textbook Library. Donc on met la langue. On peut mettre comment on va trier. Donc soit pour random, soit popularity. Alors random est intéressant. On peut dire c'est pourquoi random. Alors random c'est intéressant parce que l'idée c'est vraiment de toujours quand même proposer un panel de choix. Et donc l'idée c'est que l'apprenant il puisse avoir quand même le choix entre plusieurs ressources. Et donc, au lieu, une fois de plus, hein, d'aller identifier, je veux telle vidéo ou tel e-book, ben pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt identifier quels sont les critères et ensuite de laisser l'API aller sélectionner les learning objects qui matchent ce critère. Et parfois, la popularité, ce n'est pas forcément le meilleur élément. Donc, avec l'aspect random, on peut présenter des résultats qui vont être dans un ordre aléatoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis. Et notamment, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise. On va mettre random et on va mettre, par exemple,
une note de popularité minimale. Donc, on va dire que, donc, comme je vous ai dit, notre échelle, nous, c'est entre, je crois qu'elle est décrite ici. Donc, l'échelle, c'est entre 0, une faible popularité, et 1. Et si on veut quand même qu'il y ait quelque chose de un peu plus de popularité, on peut venir, par exemple, 0, disons 0,5. Et là, bah, on aura des résultats donc, de Learning Object qui sont plutôt populaires, mais qui sont présentés de manière aléatoire. Donc ça permet de présenter de l'aléatoire, mais tout en étant quand même sûr qu'il y a une certaine popularité minimum atteinte. Voilà. Donc parmi les autres paramètres, on a des paramètres qui vont. On a ce qu'on appelle match. Donc c'est un paramètre pour dire à quel point on veut que la recherche respecte les filtres. Parce que on va être honnête, quand on commence à trop filtrer, la quantité de résultats diminue fortement et des fois on filtre trop. Donc ce qu'on propose, c'est on propose soit de respecter les filtres de manière stricte. Et dans ce cas-là, il y aura beaucoup plus de recherches qui donneront zéro résultat, soit une approche plutôt best effort, où l'algo de recherche va essayer de matcher le maximum de critères possibles, mais s'il n'en matche pas totalement, eh ben, il va quand même considérer que le résultat est suffisamment satisfaisant pour être affiché. Et on a un paramètre qui est un petit peu similaire et qui est lui spécifique au mot-clé qui va être cherché. Donc est-ce qu'on veut respecter strictement le mot-clé? Ou est-ce qu'on accepte des synonymes un peu plus larges ou des domaines un peu plus larges? Parce que quand on rentre dans le précis, des fois, c'est trop précis. Donc là, avec Extended, même si par exemple quelqu'un cherche un terme un peu spécifique dans le domaine médical, on pourra peut-être remonter à un niveau un peu plus large et lui donner quand même du contenu. Donc on peut aussi sélectionner combien on va présenter ou pas de Learning Object, la pagination. Donc là, ce que je vous disais, c'était le publisher. Publisher qui est pour nous différent du provider. Donc si on veut, par exemple, filtrer parmi les livres, un certain éditeur, parmi des formations, une certaine université, ça permet de vraiment faire un filtre. On a l'âge minimum. Donc ça, c'est une valeur qui permet de mettre un seuil d'âge minimum. Ça peut être intéressant dans certains cas d'usage. On peut aussi avoir les intervalles de temps d'apprentissage. Est-ce qu'on veut du contenu très court, hein, du contenu entre 0 et 5 minutes parce qu'on veut présenter des choses de manière courte, ou on veut des contenus, c'est le cas par exemple des vidéos sur YouTube qui font plus de 10 heures. Est-ce qu'on veut les exclure ou au contraire est-ce qu'on veut pas? Donc on a le level qui est pour nous du coup une espèce d'abstraction de tout ce qui va être beginner, introduction, ou alors à l'opposé expert, advanced. Donc c'est aussi sur une échelle entre moins 1 et 1, avec moins 1 plutôt enfin beginner et 1 expert. Donc la popularity, donc l'adresse est associée au rayon de distance. Donc ça, c'est pour vraiment les cas où on a des objets en physique. Et après, il y a aussi la possibilité aussi de filtrer par que du gratuit ou pas, puisque du coup, on indexe tout learning object, qu'il soit payant ou qu'il soit pas payant. Payant ou gratuit. Et du coup, ensuite, on lance la recherche. Et là, on va interroger notre index. Présenter les résultats. Donc là, il n'a pas réussi à matcher complètement enfin, en tout cas, il n'a pas trouvé que c'était très satisfaisant la recherche de Python dans OpenTextbook Library. Pourtant, on n'a pas mis trop de critères. Et là, ça vous présente des livres sur OpenTextbook Library, voilà. Avec la possibilité d'exporter les résultats de recherche en CSV ou alors de copier le lien si c'est pour mettre pour paramétrer en gros notre API dans LMS ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, Sais pas s'il y a des merci. questions. Si, il y en a plein. Et
plutôt dans le chat, ce qui est très mal parce que normalement, on doit utiliser les questions pour les questions. Mais et ben, peu importe en fait, parce qu'à chaque fois, on finit dans le chat quand même. Donc, je te laisse regarder un peu les questions. C'est vrai, il y en a une toute simple, mais peut-on filtrer par licence, par type de licence? Alors, effectivement, donc on peut notre, donc on a une API derrière qui permet en fait de programmatiquement faire des interroger notre moteur de recherche, comme je montrais un petit peu dans ce slide-là. En fait, on a du coup vraiment l'extension Chrome qui est la version la plus facile, mais on a aussi l'API qui est même encore quelques différences par rapport à ce qu'on monte sur Studio, qui permet vraiment de programmatiquement aller chercher des ressources sur un domaine. L'idée, c'est que ça soit de façon notre technologie. Nous, l'idée, c'est qu'on soit une technologie embarquée sur la partie recherche de ressources Learning Object dans d'autres applications, ainsi de suite. Oui, effectivement, donc sur la partie âge et temps d'apprentissage, c'est tout à fait le cas. Hein. On voit que c'est pas souvent décrit, alors que c'est quand même quelque chose qu'on aimerait pouvoir chercher dessus. Et donc là, c'est ce que nous, on essaye de compléter ces métadatas quand elles ne sont pas exprimées, d'aller pouvoir déterminer approximativement des échelles d'âge, ce qui est en particulier hyper important si on veut s'adresser à du K-12, parce que clairement, les contenus pour les... Ben pour, ben encore plus que le K-12, du contenu pour les enfants... au kindergarten, donc maternelle, école et collège, ça va vraiment être différent. Donc voilà, donc là, c'est qu'on a des algos qui essayent d'aller chercher ces valeurs sur les temps d'apprentissage, sur les temps et les durées des contenus. On les a beaucoup facilement pour les vidéos ou pour les podcasts, pour les MOOC, pour les formations. Pour certains, et pour c'est plus compliqué à évaluer, combien quel temps on met sur une application, c'est difficile. Donc finalement, nous d'ailleurs, on n'est pas pour l'instant. Mais voilà. Par licence, non, on filtre pas par licence, mais c'est un bon point. On pourrait le filtrer par licence. Pour l'instant, ce qui se rapproche, c'est que ça soit gratuit ou pas. Mais non, si c'est open source ou pas. Alors par contre, enfin, une manière de quand même de pouvoir avoir ça, c'est si vous faites une recherche par exemple sur une source qui elle a du contenu libre, ben là vous aurez du contenu libre. Mais ouais, effectivement, c'est un bon point la licence. Il y a aussi des questions dans les questions, hein, Matt. Entre donc, le filtre et la qualité des ressources. Donc comme je vous ai dit, donc ouais, bon, pour la qualité, on travaille sur des indicateurs de qualité autres, mais c'est très compliqué et ça demande beaucoup de ressources sur nos algos de notre côté, donc on n'a pas encore généralisé. En gros, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est cet indicateur de la popularité, qui est déjà un indicateur agrégé et normalisé du contenu. Et aussi, normalement, la qualité, elle vient du fait qu'il y a eu un peu plus de comment dire, de le filtre a été plus les filtres permettent de enlever, on va dire, les trucs hors sujet ou de mauvaise qualité. Donc c'est ça qui permet Ah, on me dit qu'en fait il y a d'autres questions à côté. Alors, je regarde les autres questions. Alors, puisque les moteurs de recherche utilisent les données d'utilisation, quelles précautions sont prises pour éviter que les données soient utilisées à mauvais escient? Voilà. Donc, alors ça, pour nous, c'est très très important. Donc, notre business model n'est pas du tout basé sur de la publicité ou de la revente de ces données d'utilisation. Donc notre business model, il est vraiment basé sur donner des résultats de recherche de qualité. Donc en gros, on a des prix d'abonnement ou pour l'API des plusieurs plans en gros qui permettent de faire des recherches. Et du coup, c'est celui qui fait la recherche, ou alors
dans le cas par exemple d'une école ou d'une université qui l'utiliserait dans son LMS, c'est celui qui fournit le service, enfin l'accompagnement éducatif qui paye, et il paye pour avoir des recherches de qualité. Donc en gros, nous on n'a aucun intérêt et on ne fait pas du tout de se faire sortir ces données-là. Voilà. Donc elles ne sont pas. Voilà. Après, il y a quand même aussi derrière la notion de, quand on parle de moteur de recherche, de forcément de bulle d'enfermement. Nous, l'idée, c'est de toujours proposer du choix. Après, c'est sûr que si quelqu'un paramètre notre moteur en demandant de faire remonter qu'une seule ressource, ben, la notion de choix, elle n'y est pas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait toujours justement de la variété et qu'on ait des choses qui correspondent à ce que la personne, elle recherche. Mais qui est quand même cette variété possible. Voilà. Donc ça, mais après, ce sont des travaux aussi l'IA de confiance qui est encore c'est un gros dossier hein, qui va prendre du temps. Mais voilà, et on n'a pas, enfin, on reste persuadé dans nos valeurs qu'on n'a pas besoin d'être. La seule manière de proposer un moteur de recherche efficace, c'est pas forcément celle de Google. Voilà. Ensuite, d'autres questions. Compte tenu de la prise de conscience des biais en IA, il y a de la doc sur la méthodologie utilisée pour éviter que l'algorithme d'apprentissage automatisé ait tendance à subdiviser l'apprentissage humain de façon inappropriée. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, ben, c'est pareil. C'est toujours quand même de proposer suffisamment de choix, d'expliquer aussi, d'expliquer comment cette recherche a été faite. Et pour ça, ben voilà, enfin, les filtres, ils sont clairs. Alors, on n'a pas encore eu de cas d'usage où on nous a, enfin, où publiquement les filtres ils sont expliqués et montrés, les filtres qui ont contribué à faire remonter ces recherches, mais je pense que ça pourrait être fait sans trop de problèmes, pour que la personne elle comprenne bien, bah voilà, bah ça ce sont l'algorithme t'a proposé ça parce que tu as demandé ça, donc comme ça voilà, elle soit bien consciente de ça. Est-ce qu'il y a un lien entre la taxonomie de Bloom, les verbes d'action de chaque niveau et les mots clé du moteur de recherche. Alors dans l'extension Chrome, on peut pas sélectionner par Bloom. Par contre, dans la recherche par type, notamment sur Studio ou dans l'API, il y a un filtre. Il y a un filtre qui s'appelle Bloom en fait, et dans lequel on peut dire voilà, je veux que du doux, donc là, ça va être que des vidéos ou des tutoriels ou des learning objects qui permettent de vraiment concrétiser, apprendre à faire quelque chose étape par étape. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait. Sur YouTube, on est en train en gros de. Enfin, donc, dans le moteur d'indexation. Avant, on se basait beaucoup sur le titre, la description, ainsi de suite. Et avec YouTube, bon, bah, vous avez déjà vu des descriptions de vidéos YouTube. C'est un peu un. Il y a une espèce de mode de rajouter du contenu sur des liens vers la caméra qu'ils ont utilisée pour filmer le truc, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas descriptives de la vidéo, donc du Learning Object, mais qui sont plus des manières du youtubeur ou de l'auteur de communiquer ou de promouvoir certains trucs via sa vidéo. Donc en gros, c'était très compliqué d'utiliser ça. Donc maintenant, on utilise carrément le contenu de la vidéo, sous-titrage du texte, et on analyse ça pour déterminer ben, est-ce qu'on est en train d'expliquer quelque chose plutôt en mode introduction, découverte du concept, ou est-ce qu'on est en train de faire un tutoriel pour. Mettre en application ou d'expliquer un concept. Donc si on est plutôt sur la partie comprendre. Donc effectivement c'est vraiment ce qu'on fait, quoi. Ah oui, alors sur la question sur les référentiels de compétences, ça c'est un gros gros point. On a deux approches. Donc déjà, ce qu'on développe, c'est un moteur de recherche, c'est sémantique. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre le sens du mot qui est rentré, et ensuite de pouvoir offrir des résultats qui matchent avec ce sens.
Ceci dit, on l'a vu plusieurs fois, que ce soit parce que le mot recherché n'est pas forcément le mot qui décrit le mieux la ressource qu'il faudrait proposer, ou alors inversement, parce que la ressource, elle a été décrite d'une certaine manière qui n'est pas le bon mot, ou qui n'est pas le mot le plus recherché. Donc on a mis en place ce que nous on appelle un tagger de compétences. Un tagger de ce que nous on appelle plutôt les DOM comp, en fait. On appelle ça en interne les domaines de compétences, qui est en gros, on a essayé de sortir du est-ce que ça c'est une compétence, est-ce que ça c'est un nom de métier, est-ce que ça c'est un domaine. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs. Les gens vont chercher des learning objects de plusieurs manières. Il y en a, ils vont taper soudeur ou soudeuse et ils veulent des vidéos sur le TIG. Il y en a d'autres qui vont taper soudure. Il y en a d'autres qui vont taper assembler des métaux. Mais idéalement, c'est qu'on puisse à chaque fois leur montrer une vidéo sur l'introduction au TIG. Donc TIG, c'est une méthode de soudage, mais enfin, ça pourrait être d'autres. Hein. Mais enfin, l'idée, c'est d'aller au-delà de la recherche juste par mot, association de mots, et d'avoir une recherche sur vraiment le sens. Donc on fait effectivement, on a donc cet algorithme tagger de DOM comp qui nous permet de pour chaque learning object de lui rajouter en fait des mots ou des séries de mots qui le décrivent et qui permettent ensuite ben, qu'il soit trouvé. Là il y a une difficulté. Donc en France on a plusieurs référentiels hein. Donc alors sur le référentiel métier on a le code ROM de Pôle emploi. Sur la partie formation, on a les formats code, on a les codes NSF aussi, mais qui sont très très larges. On a toute cette série de référentiels et certains ont des intersections, d'autres non. Il y a eu le travail de l'ESCO, qui est un travail très intéressant, que nous on utilise d'ailleurs. Notre tagger utilise notamment l'ESCO. Mais qui, on va dire, n'est pas allé jusqu'au bout, mais en même temps, la tâche était vraiment énorme. Et du coup, ben, c'est clairement un des sujets, même d'un groupe de travail, donc dans les groupes de travail sur le data space éducation and skill, de pouvoir avoir des référentiels de compétences qui, quelle que soit la manière dont on a exprimé la compétence, on puisse rattacher les wagons, c'est-à-dire retrouver les bons termes, et ensuite ben, pouvoir faire des recherches. Plus performante. Donc ouais, ça c'est un point. Notre technologie en gros est aussi agnostique sur les référentiels. On n'a pas fait un tagage des learning objects que avec les formats code, comme ça peut être fait notamment par exemple en France avec le Léo. Donc en France on a ce langage Léo qui est une espèce de dérivé du LOM très franco-français. Et qui décrit notamment toute l'offre de formation. Tout ça est tagué selon le format code, aussi les codes ROM, et les codes NSF aussi en fait. Mais voilà, donc on n'a pas fait ce choix-là parce que la problématique avec beaucoup de ces référentiels, c'est qu'ils ont toujours un temps de retard. Donc dès qu'il y a des nouvelles compétences ou des nouveaux mots ou des nouveaux domaines, ils mettent un temps fou à les intégrer. Notre problématique aussi qu'on a, c'est qu'ils sont généralement faits par des gens du domaine. Donc en gros, ce sont des gens qui ont trouvé les bons mots pour décrire la compétence ou le métier, mais qui en fait dans la réalité ne sont pas du tout les mots qui sont utilisés par les apprenants pour chercher les ressources. Et ça, bon, voilà, donc c'est ça, c'est problématique. Donc bon, voilà, on est agnostique, on essaie une fois de plus de raccrocher les wagons. Selon les différents référentiels. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment quand même toujours que la personne, en fonction du mot qu'elle recherche, elle ait les learning objects le plus pertinent. Donc on n'est pas attaché à Matt, un est-ce que tu référentiel en m'entends? particulier. Peut-être que les Et autres ensuite, m'entendent. dernière question, quelle proportion de ressources éducatives libres parmi les ressources considérées comme pertinentes et utiles en apprentissage? Libre, on n'a pas d'indicateur pour savoir si elles sont libres ou pas, parce que, comme on l'a mentionné avant, on récupère pas les infos de licence, mais ça pourrait être un truc sur lequel on pourrait travailler, clairement.
Voilà. Après, du coup, malheureusement, les ressources, enfin, les sources comme Open Textbook Library, par exemple, sont assez minuscules, hein. On parle de, je crois, 700 e-books, quoi. Enfin, c'est déjà beaucoup, et ça couvre pas mal de domaines. Mais c'est sûr que comparé enfin, aux millions de vidéos qu'il y a sur YouTube, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, ouais. Mais ça serait un. Enfin, il y a clairement, de toute façon, les choses sont en train d'évoluer là-dessus. Et si on arrive. Notamment, c'est le partage des catalogues, hein. Pendant longtemps, les catalogues, c'était un peu la propriété de chacun, de chaque université, de chaque structure. Avec le data space, j'espère qu'on aura plus librement des échanges de catalogues et qui permettent de consolider ces informations et ces différents catalogues plus facilement. Et du coup, ensuite, ben, de faire des moteurs de recherche vraiment qui vont chercher toutes les ressources où qu'elles soient et qui puissent les mettre à disposition des apprenants, quoi. Alors. Tu m'entends là? Eric, est-ce que tu veux bien nous présenter en quelques mots, enfin on a une demi-heure encore hein, pour aller au bout des sujets. Merci Matt, c'est passionnant et puis on voit à quel point c'est travaillé. D'ailleurs, après l'intervention d'Eric, j'aimerais bien que tu nous rappelles un peu d'où tu viens, tu vois, et comment ces idées-là te sont venues. Bonjour Eric. Bonjour. Tu as posé une question, je voudrais que tu la poses et que tu en profites pour présenter aussi le projet que tu as mené au CRI Paris, qui est devenu le Learning Planet Institute. Voilà. Oui, ben nous, on mène des recherches un peu similaires avec un projet notamment qui s'appelle WeLearn, où l'idée c'est d'indexer effectivement des ressources pédagogiques en mixant une approche d'indexation comme la vôtre et puis de crowdsourcing des ressources par les apprenants eux-mêmes. Et avec l'idée de, à terme, le lier à toutes sortes d'outils numériques de l'écosystème apprenant. Donc voilà, ça peut être effectivement les LMS, mais ça peut être pourquoi pas les bases de ressources éducatives les plus variées. Ça peut être les profils des apprenants eux-mêmes, et puis ça peut être des bases de projets, ça peut être des bases de stages, d'offres en fait liées à l'insertion professionnelle, l'orientation notamment. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points similaires dans la démarche. Simplement, vous êtes vraiment concentré là sur l'indexation des ressources éducatives pur, et j'avoue que c'est assez impressionnant ce que vous avez fait, donc bravo. Et je pense que ce sera intéressant qu'on en sache un peu plus. Ma question, c'était aussi sur effectivement la part du machine learning dans ce que vous faites, parce que vous avez mentionné à la fois des choses qui étaient faites plutôt à la main, l'indexation manuelle, donc si j'ai bien compris, plutôt par vos équipes et pas tellement par les apprenants eux-mêmes, et la part donc qui était automatique, et puis comment, dans les grandes lignes, comment ça fonctionnait, quoi. Alors, ouais, c'est un très bon point. Alors, je crois que c'était pas vous, mais on s'était déjà rencontré avec le CRI il y a quelques années. On avait parlé du projet WeLearn. Donc en fait, bah, si vous voulez, donc l'outil là qu'on a développé, Studio, pour justement permettre la recherche, mais ça permet aussi le tagage par nos auditeurs. En fait, à l'origine, c'était un outil interne qu'on avait développé pour nos auditeurs. Et c'est parce qu'on a eu ces demandes. Justement, d'avoir un outil qui permettait de faire des recherches plus précisément, mais aussi d'annoter ces learning objects et de les rentrer manuellement, qu'on commence en fait à ouvrir un Kufu Studio. Et clairement, si on arrive à en faire un outil de recherche, enfin on va dire de tagage de learning object crowdsourcé, ça serait vraiment génial. Donc, on réfléchit même à mettre tout ça en open source pour que ça soit vraiment partagé par la communauté. Après, la réalité, c'est que clairement, vu le volume que ça représente, donc nous, on a 3 millions de learning objects, on est assez content et c'est vrai qu'on a pour l'instant pris les plus grosses sources, mais enfin,
Donc là, on a des algorithmes spécifiques, par exemple, pour YouTube, parce que ça représente un volume énorme. On a aussi dernièrement mon compte formation, parce qu'en particulier en France, mon compte formation a beaucoup changé, plutôt sur le paysage de la formation continue, mais a beaucoup changé la formation. Donc on a ces algos, et en fait, si on n'a pas de l'indexation et de l'enrichissement automatique, enfin, c'est impossible, on n'arrivera jamais, on sera toujours limité à des petits catalogues. Et le problème des petits catalogues, c'est qu'au bout d'un moment, ils perdent de leur... comme je disais, ces données, elles évoluent. Il y a des learning objects, il y a des liens qui vont disparaître, il y a des vidéos qui vont disparaître. Et donc, si on n'a pas une technologie qui va les chercher de manière automatique, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est vraiment notre approche. C'est dur à mettre un chiffre, mais je dirais que d'un point de vue économique, ce qu'on trouverait acceptable, ce serait d'avoir 95% de curation automatique et 5% avec des auditeurs pédagogiques. Ou alors, il faut que ça soit crowdsourcé. Parce que sinon, en fait, ça prend trop de temps humainement. Un bon auditeur pédagogique, chez nous, il va mettre au moins 15 minutes pour traiter un learning object. Enfin, si vous faites le calcul, il faut des budgets énormes. Hein. Du coup, par exemple, si on veut, je sais pas, 1 million de learning objects, si c'est 15 minutes, ça veut dire, je sais pas, on fait les faisons calcul. Hein. C'est quoi, c'est au SMIC, ça serait du 5 € de l'heure, du 5 € du quart d'heure, donc ça ferait 5 millions d'euros pour 1 million de learning objects. Enfin, c'est inatteignable. Donc il faut forcément des technologies le plus automatisées possible. Après, il faut aussi accepter du coup que ça soit pas aussi, et ça on va être clair, hein, un auditeur pédagogique humain, il va de suite comprendre à quoi est le learning object et à qui il est destiné, si c'est de qualité ou si c'est pas de qualité, si c'est justement un article de blog marketing pour faire du SEO ou si est-ce qu'il y a une vraie nature pédagogique derrière. Ça, nos algos, ils ont encore du mal. Donc là, nous, on a une précision, enfin plutôt à l'inverse, on a un taux de faux positif de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'il y a 30% de learning object qu'on laisse passer et qu'on ne devrait pas laisser passer. Mais ça aussi, ce sont des trucs qu'on essaye d'améliorer. C'est lié de toute façon avec l'efficacité de nos algorithmes de machine learning, qu'ils soient plus précis, qu'ils arrivent à mieux déterminer tel contenu. Alors, on a dernièrement mis en place un modèle. D'ailleurs, on doit l'avoir publié en open source sur Hugging Face, je crois, qui s'appelle BRTO, qui est une variante de l'algorithme de BERT, développé par Google, qui est donc un algorithme de compréhension sémantique de termes. Et donc BERTO, pourquoi? Parce que c'est entraîné sur Léo, du coup, qui permet sur du contenu français de bien comprendre une recherche et qu'est-ce que ça signifie, plus que quel est le mot-clé, et d'aller chercher des résultats derrière alignés. L'idée, c'est ça, en fait, c'est d'avoir le maximum qu'on puisse de l'automatiser, mais sans non plus partir dans le trip complètement utopique de dire on va être 100% automatisé. Non, c'est pas vrai, de toute façon, il faudra toujours des humains pour corriger, détecter, améliorer. Et c'est pas du tout, on veut pas du tout se couper. Donc c'est pour ça que cette approche, ouais, crowdsourcing, tagage crowdsourcé, je pense que c'est un truc à creuser. Ouais. Peut-être il faudra qu'on en reparle. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et là, vous placez plutôt comme un moteur de recherche que comme un système de recommandation, finalement. Tout à fait. Alors, très bon point. Pour nous, le moteur de recherche, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on a vu dans les techs des concurrents qui... Enfin, c'est pas des concurrents, mais c'est des boîtes qui font de la recommandation. Faire de la recommandation à notre époque, on va être honnête, ça ne peut se faire que sur des... Ça ne peut se faire que, en gros, à l'intérieur d'une application ou d'une expérience ou d'un parcours. Quelqu'un qui dirait qu'il fait de la recommandation d'un parcours qui soit quel qu'il soit, c'est-à-dire que la personne ait regardé des vidéos sur YouTube, elle ait fait ci, ainsi de suite, elle ait fait ça, elle ait fait un MOOC, pour moi, c'est une personne... Enfin, c'est pas possible.
Donc pour nous, la première démarche, ça a été de dire, nous, ce qu'on veut faire, c'est de la recommandation, en gros, inter-learning object, et pas de la recommandation dans un parcours avec un catalogue fini, souvent propriétaire, spécifiquement tagué. Voilà, donc ça, c'est ce qui est faisable actuellement, ce que beaucoup de boîtes proposent, et d'ailleurs, ce qui marche, hein, parce que, par exemple, les applications de bah, on a Duolingo sur des langues, ou alors on a en maths, enfin je connais plus tous les noms, mais donc des algorithmes de recommandation d'Active Learning qui marchent très bien dans cette espèce de boîte fermée. Mais dès qu'on sort de la boîte, on est perdu. Du coup, nous, on s'est dit, bon, bah, la première étape, c'est déjà de proposer un moteur de recherche, déjà d'avoir un index plus volumineux possible et sur des learning objects vraiment de types différents. Déjà de pouvoir réussir en fonction d'une recherche, enfin, d'un mot-clé et puis de filtres donnés, avoir un pool de learning objects qui soit cohérent et compatible avec ce que les gens veulent faire. Et c'est, pour nous, ça c'est déjà la première étape. La deuxième étape, pour la recommandation, elle viendra quand on aura des données sur justement le contexte, justement le parcours préalable de la personne. Mais pour ça implique qu'entre acteurs, on puisse avoir des échanges de données sur justement le contexte de ce qu'est-ce qu'a fait justement l'apprenant peut-être dans le LMS avant, et de faire qu'est-ce qu'il a fait, ou voire même dans son CV. Mais donc tout ça implique beaucoup d'échanges de données personnelles. Puisque de toute façon, ce sont des expériences qui sont inter, c'est-à-dire entre plusieurs structures, ainsi de suite. Et donc déjà, il faut résoudre ces problèmes-là. Et ensuite, j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce sera techniquement, ce ne sera pas forcément le plus compliqué. Une fois qu'on aura accès à toutes ces données de contexte, pour contextualiser l'apprenant, si on a derrière, en fait, en gros, c'est la vue apprenant. Du coup, quand on pourra avoir une vue apprenant complète, provenant de sources multiples, et quand on aura, si on a une vue assez complète des learning objects qu'on peut proposer en face, on pourra faire l'algo de match. Mais c'est comme ça notre approche là-dessus. Donc ouais, effectivement, la recommandation, ça sera dans 5 ans. Quoi. Merci beaucoup. Ouais, bravo, parce que bah oui, mais il faut avoir une vision long terme, sinon voilà, c'est étape par étape. Et j'ai invité Najwa Adjali à venir nous rejoindre parce qu'elle avait posé une question aussi intéressante à laquelle il avait été répondu, mais tout simplement aussi pour entendre des personnes qui viennent d'ailleurs, puisque je vois beaucoup de personnes que je connais déjà et ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir plein de personnes qui s'intéressent à ce sujet du moteur de recherche et ensuite la recommandation, puis une vue de l'étudiant qui permet d'affiner je veux dire, son expérience en tant qu'élève et étudiant. Donc, ça fait plaisir. Mais si elle ne nous rejoint pas, moi, alors donc, je voulais que, pour terminer, tu nous parles un peu de toi et de Benjamin Parmentier. Et que tu nous racontes un peu comment vous avez été formé, qu'est-ce qui vous a donné ces idées-là, et donc comment vous en êtes venu à créer InnoCoufou. Merci. Ouais, effectivement. Donc, pour vous présenter, moi j'ai fait des études à l'université. Je suis le fruit de l'université. Donc j'ai un doctorat en chimie et donc, en vous expliquant ce que j'ai fait ensuite, vous allez peut-être comprendre un peu ma vision du truc. Donc, j'ai travaillé du coup dans l'industrie chimique pour une grande boîte aux États-Unis. Puis ensuite, je suis revenu en France et j'ai travaillé pour une boîte qui développe des peintures biosourcées. Voilà. Donc, j'ai une approche et une culture très scientifique et très industrielle. Et après, je ne suis pas le chimiste de paillasse. Je suis plus un chimiste, on va dire. Mathématicien, mais bon, bref, c'est autre chose. Du coup, j'avais cette approche très industrielle et je connaissais Benjamin, on se connaissait, on était amis, on est toujours amis, mais du coup, on en vient à discuter d'un jour de la dyslexie et Benjamin me dit qu'il est dyslexique. C'est un sujet qui me touche parce que mes deux frères sont dyslexiques, mon père l'était aussi. Et moi, je ne le suis pas. Et j'ai grandi avec cette différence des manières d'apprendre assez marquées.
Des choses qui marchent avec moi ne marchent pas du tout avec mes frères. Et Benjamin en particulier, donc son cœur de métier, c'est formateur d'adultes. Il a travaillé dans des grands groupes pour Airbus, Siemens, et il a mis en place des parcours de formation sur pour Airbus, c'était la 380, je crois, lorsqu'ils sont passés des avions alu aux avions composites. Voilà, donc on part sur ces discussions sur l'éducation et sur le fait que ça a évolué. Hein, que la prise en charge et la détection de la dyslexie a quand même beaucoup évolué sur les 15 dernières années. D'un point de vue ressources, il y a tout un tas de ressources et de supports, d'approches qui n'existaient pas il y a 15 ans et qui maintenant le sont. Et on se disait, mais alors, où sont les points de blocage et où est-ce que nous on pourra apporter notre pierre à l'édifice? Et vraiment, on en est venu à ça en fait. On en est venu donc à cette mission que je vous ai montrée au début. C'était, mais il faut pas forcément. En fait, il ne faut pas forcément créer des nouvelles ressources. Et je ne dis pas ça dans le fait qu'il ne faut pas en créer, hein, mais je dis ça dans le fait que nous deux, on n'avait pas, c'était pas forcément notre vocation de créer des nouvelles ressources. Mais si on pouvait contribuer à mieux trouver les ressources existantes, toute cette richesse qui existe, que quelqu'un qui est dans le domaine et qui a suivi les évolutions du domaine va connaître. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans ce domaine-là et qui ne voient pas tout. Enfin, moi, le nombre de personnes à qui j'explique ce que c'est un MOOC et un podcast. C'est fou. Et pourtant, ce sont des ressources qui, pour certains objectifs, pour certains besoins, pour certains types de personnes, c'est vraiment la ressource qu'il leur faudra pour apprendre quelque chose. Et voilà. Et donc, du coup, on en est venu à ça, en fait, à se dire, c'est, voilà, l'objectif, c'est de mieux comprendre ce qui existe et comme ressource éducative et de pouvoir le donner à la bonne personne au bon moment. C'est vraiment ce qui nous a animés. J'avoue que dans un des rêves qu'on a, c'est que par exemple, des choses comme quelqu'un qui exprimerait qu'il soit dyslexique ou qu'il a un handicap, ainsi de suite, qu'on puisse être en mesure de lui dire, bah, en plus, tiens, bah, particulièrement cette ressource, elle va être adaptée pour toi. On va être honnête, nous, ce qu'on a fait en R&D pour l'instant, c'est pas encore fou. Toutes les notions qui ont été posées comme question, elles ont énormément de sens, c'est-à-dire, ok, mais en plus, ça va être des données personnelles, mais de santé, à quel point est-ce qu'on va pas enfermer, du coup, nos algorithmes ne vont pas enfermer, ils vont pas faire plus de mal que de bien. Bah, l'objectif, c'est pas ça. Hein. L'objectif, c'est quand même d'améliorer la capacité des gens à apprendre et à apprendre de manière plus efficace. Donc, on veut pas du tout que c'est des effets négatifs. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on y va doucement. Mais voilà, il y a des idées qu'on a, clairement, c'est idéalement, c'est de pouvoir faire ça. Et de pouvoir surtout aussi aider les enseignants en leur facilitant le travail de personnaliser. Parce que personnaliser l'apprentissage de chaque étudiant, on le sait très bien, c'est ce qui marche le mieux. Mais c'est, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et quand on a un enseignant qui gère en école primaire une trentaine d'élèves ou dans le supérieur qui est un amphi de 100 ou 150 personnes, il peut forcément pas personnaliser l'apprentissage de chacun. Donc il faut qu'il ait des outils qui lui permettent d'aider à cette personnalisation. Et nous, tous nos outils, même dans les termes de comment on présente nos outils, on n'est pas des coachs virtuels, ça interdit, on n'est pas des profs virtuels, on n'est pas ça. Nous, on est des outils qui aident à filtrer dans toutes ces données qui existent. On est des outils qui, voilà, qui accompagnent et qui facilitent le travail de l'enseignant ou la recherche de l'apprenant, mais on n'est pas des choses qui décident à la place des gens ou qui remplacent des gens. En fait. Voilà. Ouais, bravo, mais quel beau démarrage. C'est vraiment de la peinture industrielle à bio, tu disais biosourcée, à cette envie de changer le monde, en fait, hein, de rendre le monde meilleur, c'est chapeau. Je pense que ça nous motive tous un peu dans l'open education. Et donc, merci vraiment à tous les deux. Bravo, parce qu'il faut toujours se lancer, hein, c'est courageux. Et puis, il y a beaucoup aussi de choses à déconstruire parfois de part et d'autre pour réussir à rendre acceptable à la fois la head tech dans l'enseignement supérieur ou à l'éducation nationale, mais aussi de l'autre côté de
de rendre acceptables des solutions informatiques, algorithmiques pour aider les gens. Et bien sûr, on prend des précautions, mais enfin, si on ne fait rien, on est sûr de ne pas y arriver. Donc moi, je dis vraiment, je vous félicite pour ce projet. J'espère que ça aidera beaucoup de monde et au-delà, bien sûr, de la dyslexie. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, votre projet, il est plus large pour finalement arriver, peut-être au bout de 5 ans, voilà, à proposer un outil, entre autres, pour la dyslexie. Voilà, merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les participants. Alexandre, je pense que Matt et Benjamin vont aller voir tous tes référentiels et toutes tes sources. Alexandre Incarly, qui est canadien, qui nous rejoint de Montréal tous les mois, nous permettent de sourcer un peu tout ce qu'on raconte au fur et à mesure qu'on le raconte. Donc ça, c'est extrêmement précieux. On avance. Le mois prochain, ça sera dédié en fait à l'idée de créer l'association Open Education Global en Europe. C'est-à-dire que j'ai proposé ça, donc... C'est en cours de réflexion. Je n'ai pas encore vraiment travaillé sur des statuts, mais l'idée, c'est de faire une association loi 1901 pour démarrer, voir qui a envie d'y participer, comment on ferait, les liens avec Open Education Global historique, plutôt Amérique du Nord. Et donc, ça sera la séance du 31 mars, du jeudi 31 mars, sera consacrée à ces questions-là. Voilà, donc je vous remercie tous de votre participation, de vos interventions. Je salue toutes les personnes que je ne connais pas et celles que je connais eh ben, volontiers pour avoir des nouvelles sur cette initiative. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envoyé des éléments écrits d'ici quelques semaines. À bientôt. Et allez vous inscrire à Open Education Week, à Open Education Global et allez proposer vos participations. Au revoir. Je vous laisse me dire au revoir parce qu'il y a plein de petits émoticônes d'amour, de bravo, félicitations, c'est quand même agréable. Voilà. Allez, ça y est, c'est fini. Au revoir à tous.